Déclaration de sinistre. Concerne Emma, nue dans un escalier de Gerhard Richter, 1966, huile sur toile, musée Ludwig. Aujourd'hui, le 7 mai 1981, le personnel de surveillance a constaté pendant les heures d'ouverture du musée le dommage suivant sur le tableau susmentionné. La partie inférieure gauche de la toile porte une entaille longue de 20 cm environ. La détérioration qui a été causée à l'aide d'un objet tranchant et pointu peut avec certitude être attribuée à un acte intentionnel commis par un visiteur du musée. Le tableau semble avoir provoqué quelque chose chez le spectateur. Celui-ci devait être dans un état extrême pour céder à cette impulsion. Et il devait porter un objet sur lui, comme un couteau ou un cutter. Je trouve assez remarquable que des tableaux puissent produire un tel effet chez quelqu'un. C'est plutôt un signe positif en faveur de l'art. Gerhard Richter a 29 ans lorsqu'il quitte la RDA, peu de temps avant la construction du mur de Berlin, et s'installe à Düsseldorf, à l'ouest donc. « C'est la vie », écrit-il, peut-être pour couper court à toute mélancolie. Le déracinement lui réussit. Il reprend ses études à l'Académie des Beaux-Arts, peint principalement des œuvres abstraites. Plus de 80 tableaux la première année. Mais cette phase s'arrête net lorsqu'il fait la connaissance de deux de ses condisciples, Konrad Luck et Sigmar Polke. Richter a désormais un nouveau système de référence et brûle tous les tableaux qu'il a peints l'année précédente. Sa devise, faire autre chose. Dann haben wir den Mut gehabt, uns an eine ganz neue Sache zu wagen, und zwar in der Verarbeitung unserer Umwelt mit ihrer Scheußlichkeit und Schönheit, der Werbung und alles, was so auf einen zukommt. Unsere Wirklichkeit oder meine Wirklichkeit, die ich in meinen Bildern zeige, ist eine Wirklichkeit, die erst durch unsere Umwelt sichtbar wurde. Ich habe versucht, sie auszudrücken, zusammen mit dem anderen Geschehen. Und das kann man nur mit einer bestimmten Maltechnik machen. Und da kam ich auf das Raster. Polke et Richter. Tous deux choisissent la photographie comme objet de leur peinture. Mais chacun élabore sa propre singularité en se démarquant de l'autre. C'était vraiment le début d'une nouvelle ère. Notre travail s'inspirait de Fluxus et du pop art. Nous faisions quelque chose d'approchant. Das war zum Beispiel das erste Bild, was ich malte. Da versuchte ich einfach abzumalen, was ich fand. Einen ganz üblichen, banalen Vorgang. Und als ich abgemalt habe, sagte ich mir, das geht aber nicht. Das kannst du ja nicht so stehen lassen. Muss ja was passieren. Und da war das, habe ich es zerschnitten und dann genäht. Dadurch kommen, ist ein schlechtes Bild, es kommen Tricks rein, literarische Effekte. Und es ist also ein Demonstrationsobjekt eigentlich, was Pop Art nicht ist. Denn Pop Art will nicht schockieren. Richter peint des photos de magazines. Il se met à composer son atlas qui lui sert à la fois d'archive et de balise pour se repérer dans l'océan de vues et d'illustrations.
Des photos de sa vie privée, tirées d'albums de famille, y apparaissent déjà. La seule chose qu'il ait emmenée avant de quitter Dresde. Et bien sûr, sa femme, Emma, qui constitue le sujet de certains de ses premiers tableaux, dans lesquels il court-circuite son style pictural avec la photographie. Il a d'abord donné à son tableau le réalisme d'une photo. Il l'a peint avec une très grande précision. Puis, à l'aide d'un pinceau assez épais, probablement à blaireau, il a vraiment étiré la peinture sur toute cette surface et aux endroits où l'on perçoit bien ce flou, ou cette imprécision, le terme importe peu. Ici, au niveau du bras, et bien sûr ici, en haut, également au niveau des joues et à la naissance des cheveux, là où l'on aperçoit bien le trait du pinceau. On voit à travers ces coups de pinceau nets et résolus que le balayage de la couleur était un acte purement mécanique. Et quand on y regarde de plus près, on se rend compte qu'il a une manière de peindre vraiment académique. Mais cela demande bien sûr beaucoup de courage et une grande sensibilité. Il faut déterminer la pression exercée sur le pinceau, son degré d'humidité et celui de la surface avant d'étaler la couleur. Ce tableau a 30 ans. Une restauration s'avère donc nécessaire. Après de longues discussions, nous avons décidé d'un commun accord d'en nettoyer la surface. Ce n'est évidemment pas une décision que nous avons prise à la légère, surtout quand il s'agit de peintures monochromes comme celle-ci, qui n'ont pas été enduites de vernis, car la nature de la surface ne doit subir aucune altération. Si ça ne part plus, c'est fichu. Ce que l'on peut clairement discerner maintenant, dans cette partie délimitée par la ligne, c'est qu'il y a encore cette couche grisâtre ici, qui a été enlevée à cet autre endroit de la toile, pour pouvoir travailler sans problème sur l'entaille. Vous pensez qu'il prêtera ses œuvres ? Il serait ravi. Emma doit se rendre à Londres, où se prépare la rétrospective Richter, intitulée Panorama. J'ai vu Emma ce matin au musée Ludwig, dans l'atelier de restauration. Et l'effet produit par le tableau n'a naturellement rien à voir avec celui des reproductions. J'ai soudain pris conscience de toute l'inventivité qu'il y a dans ce tableau. Chaque élément a été inventé par l'artiste. Il s'est inspiré d'une petite photo, mais tout est fabriqué. La manière dont la lumière tombe sur le corps, la manière dont ont été conçues les ombres, certainement sous l'influence de Cézanne. J'en suis même sûr, parce qu'il sait appréhender la couleur du ombre, ce violet profond au lieu du noir. Et la manière dont il maintient la surface à l'intérieur du tableau, depuis l'escalier jusqu'au corps, pour revenir ensuite à l'escalier, juste par une succession de touches délicates, est vraiment magistrale. Düsseldorf, 1966, le premier atelier de Richter. Fürstenwald, une longue entrée, des garages,
une maison d'habitation et un atelier. Nous sommes toujours dans la cour. Une porte, ou plutôt un passage, un escalier, un entrepôt en haut, la porte de l'atelier, 50 mètres carrés. Ce n'est pas bien grand. Un toit, une sorte de terrasse, les combles, l'atelier des Hucker, et voilà le mien. Il y avait des fenêtres ici. Une, deux, trois, quatre. Un grand mur, un poêle ici. Probablement ici. Une séparation, un bureau. Je peignais toujours ici. J'occupais un endroit face à ce mur. Généralement là. Le 204 de la rue Fürstenwall sera le théâtre de 8 années de création intense. Toute la première série des tableaux photoréalistes y verra le jour. De 1962 à 1966, Richter ne peint pratiquement que dans des tons gris et d'après des photos trouvées. Les motifs se succèdent, sans lien logique apparent. Pour Emma nue dans un escalier, Richter fait une exception. Cette fois-ci, il prend lui-même la photo qu'il a l'intention de peindre. Nu descendant un escalier de Marcel Duchamp. Exposé pour la première fois en 1913 à New York, le tableau fait scandale. Où est le nu ? Demande le public. Devenu célèbre du jour au lendemain aux États-Unis, Duchamp délaisse alors la peinture pour introduire des objets quotidiens dans son art, inventant ainsi le « ready-made ». Pour Duchamp, la peinture n'a plus de raison d'être. Ses confrères continuent de peindre, mais ils décomposent la représentation réaliste du nu en d'infinies variations, jusqu'à n'en laisser qu'un souvenir fantomatique. Moi aussi, j'ai voulu peindre un nu. J'ai essayé de faire des photos dans l'atelier, mais je n'arrivais à rien. Alors je me suis dit que je pouvais peut-être descendre l'escalier. Je me suis retrouvé ici, en bas. C'est un espace fermé, une cage d'escalier plongée dans l'obscurité. La lumière vient d'en haut, à contre-jour. Je me demande même si je n'ai pas utilisé un flash, car le nu est vraiment éclatant. Vous avez peut-être ajouté de la lumière ? Non, ça n'est pas dans mes habitudes. Il faut avoir un peu d'imagination. C'était une sorte d'éthique. Surtout, ne rien inventer. De toute façon, ça ne donne rien. Toujours rester proche de la vérité, comme vous savez tous très bien le faire. Ce que l'on voit est toujours mieux que ce que l'on imagine. Carl, je n'ai plus de photos. L'historien d'art Benjamin Bourlot découvre le tableau pour la première fois au début des années 70. La première fois que j'ai vu Emma, je traversais une phase où je m'intéressais déjà beaucoup à Duchamp. La référence à l'un de ses tableaux m'a tout de suite interpellé. Et j'ai sûrement dû me demander à l'époque à quoi ça rime. Oui. J'ai immédiatement interprété cette toile comme un geste anti-Duchamp. Je me suis demandé comment on pouvait encore recourir après Duchamp à un tel kitsch, à l'illusion et à la séduction de la photographie.
Car c'est un tableau extrêmement séduisant, empreint d'une beauté et d'une atmosphère particulière. Et plus on le contemple, plus on a de mal à se faire une opinion, parce qu'il a en même temps une dimension privée, parce que c'est sa femme et que sa femme est enceinte, et elle a presque une attitude d'anticipation religieuse. L'ange descendu du ciel. Je ne me souviens plus de la manière dont j'ai appréhendé l'œuvre à l'époque, mais je sais que j'étais vraiment bouleversé et très en colère, tout en étant très attiré par le tableau. Je n'avais rien contre Duchamp, mais je voulais sûrement dire, plus ou moins consciemment, que je ne me laisserais pas marcher sur les pieds, que la peinture ne s'arrêtait pas avec Duchamp et tout ce qu'il a inventé. Dommage constaté sur le tableau Emma nue dans un escalier de Gerhard Richter, huile sur toile. Les fibres de la toile sont lacérées, la couche de peinture s'effrite des deux côtés de l'entaille. Les tableaux de Richter ont la réputation d'être très difficiles à restaurer. La couche de peinture n'a ni consistance ni relief. C'est la structure uniforme de la toile qui porte la surface. Professeur Hahn, directeur du département restauration. Milieu des années 60, l'apogée du pop art et du ready-made. Andy Warhol filme Marcel à New York. Et Duchamp conquiert l'Europe avec 50 ans de retard. En 1965, Richter assiste à la première rétrospective de ses œuvres, en Allemagne, à Krefeld. Si j'ai bonne mémoire, le tableau a été peint juste après la rétrospective Duchamp à Krefeld. Ou plus ou moins sous l'influence de l'exposition de Duchamp à Krefeld. Je pense, oui. Et il y avait aussi de ta part une volonté de réagir, de nature édipienne. Oui. De ne pas succomber à l'influence de Duchamp. Oui. Tu ne voulais pas non plus succomber au modèle du ready-made. Et ton tableau prend aussi clairement le contre-pied de la mode de l'époque. Warhol peint Elizabeth Taylor, Jackie Kennedy et Marilyn Monroe. Et toi, tu peins ta propre femme, enceinte. Ça ne se fait pas. Non, ça ne se fait vraiment pas à l'époque du pop art. C'est vraiment, à tout point de vue, dirigé contre le pop art aussi. Et ce n'était pas si évident à l'époque de saisir à quel point le tableau prenait position aussi bien contre Duchamp que contre le pop art, en redonnant en quelque sorte ses lettres de noblesse à la peinture. Oui, d'une manière assez grandiose. N'est-ce pas ? Oui, je sais seulement que j'avais sacrément peur. Je ne l'ai pas montré, j'ai laissé le tableau à l'atelier. Et puis un jour, George Brecht est passé. Il était chez Hücker, qui avait son atelier de l'autre côté du couloir. C'était une visite éclair. Tu ne le connaissais pas avant ? Non, peut-être de nom. Et j'avais entendu parler de Fluxus, ça oui. Ça m'a affolé qu'il vienne me voir. Comme ça, juste en passant. Et ça me gênait beaucoup qu'il voie le tableau. C'est intéressant, ça. Mais il a été très sympa. Il m'a dit que c'était merveilleux, il l'a trouvé super. Une fois la peinture sauvée, la voie est libre pour la couleur. Ce qui veut dire, pour Richter, photographier et peindre en couleur. «
Je pense que la grande réussite de Richter, en un sens, c'est de faire des tableaux qui prennent en compte Duchamp, qui intègrent son œuvre tout en la dépassant. En même temps, il me semble qu'il se démarque de manière assez nette de la position de Duchamp. Ce qui n'empêche qu'il a en quelque sorte appris les leçons de Duchamp et qu'il les a assimilées. En 1966, Richter crée des panneaux en couleurs et des vitraux. Presque tous les thèmes qui l'occuperont pendant les décennies à venir sont là. Même l'abstraction redevient concevable. Il peint deux gris superposés. Et de nouveau nus, s'inspirant de photos pornographiques qui commencent alors tout juste à infiltrer la presse écrite. Conrad Fischer avait un ami qui nous a montré les premières images porno, des petits cahiers en noir et blanc. Ça m'a plu. Il y avait quelque chose d'effronté à peindre ça. En 1966, non, à cette époque, je n'arrivais pas encore à vivre de mon art. Ah, voilà la fameuse photo. Tout homme rêve d'avoir un harem comme celui-ci. Bon, il ne faut pas prendre ça au premier degré. Évidemment, ce n'est pas sérieux. C'était de la pure provocation. L'exubérance n'avait pas grand-chose à voir avec l'art. Le nu d'Emma était beaucoup plus provocant. Parce qu'il était vraiment sentimental. Pour les entailles en particulier, je crois qu'il faut garder à l'esprit que la détérioration se verra même après la restauration. C'est la structure même qui est touchée. Pour le masticage, il vaut mieux imiter la structure de la surface aussi fidèlement que possible pour faciliter le travail de retouche. En 1966, Richter se sait parfaitement libre. Avec Emma, il ouvre son œuvre à une multitude de possibles. Le peintre a quantité de voies à explorer. Selon moi, c'est un artiste qui change notre regard sur la peinture et modifie la conception que nous avons de la relation entre peinture et photographie. Il a conçu une manière extraordinaire d'explorer l'espace dans ses tableaux. Je voulais faire quelque chose de beau, et c'est très bien comme ça. Aujourd'hui, on ne peut plus peindre de nu, encore moins de cette manière. Ce tableau évoque le rêve de la peinture classique, la manière dont on a pu peindre des nus à cette époque. Mais en même temps, le nu, ce n'est pas ça, et on le sait très bien. Il s'apparente plutôt à un numéro d'équilibriste.